Chérie, on est reparti hein, dans notre matrice. Tu vas aller le faire bien. Et puis on verra. On verra si tu t'amuses toujours, tu continues à t'amuser. Il est là? Ouais, c'est pas grave, hein? L'essentiel est qu'il nous amène là où on va. On dit merci à la STIB. Ouais. Même si c'est un vieux tram. On va y arriver. Allez. C'est parti, chérie. Il est là. On se retrouve. Comme la matrice ne fait que recommencer. On est au début. Encore une fois. Bonsoir à Jette, Didier, Emei, 13. Et l'autre côté, bonsoir à Fatmi aussi, Emei 13 qui sont de l'autre côté, qui travaillent aussi bien. Et pour finir, bonsoir à ces groupes, Emei 13, menés par M. Olivier Dupin. On leur dit à tous, bon entraînement, qu'ils les fassent bien. On va se taire dans quelques instants. On va leur laisser faire ça. Et puis, comme d'habitude, on reviendra. Revoir nos jeunes, petit à petit, ce qu'ils font. On est en conseil habillé encore là-bas. C'est vraiment bien. Faut parler. C'est ça qui fait avancer notre histoire. Quand il y a à dire, il faut le dire. Voilà. De l'autre côté aussi, la même chose. Ils parlent, ils discutent. Là où il y a une communauté, il doit y avoir un peu les dialogues. Les dialogues nous font avancer. Voilà. Vous dialoguez entre vous. Vous montrez que vous avez envie de bien le faire. Alors, discutez. On est là, on vous attend. Vous serez prêt à partir. Voilà, c'est parti. J'entraîne pas beaucoup, hein. Parce que on a fait des choses bien. Quand on a fait des choses bien, on ne discute pas longtemps. Pardon, excusez-moi. On passe directement à l'essentiel. Comme le groupe de M. Olivier, ils étaient déjà à l'essentiel. Ici aussi, on passe à l'essentiel. On va essayer de suivre groupe par groupe, d'où essayons de répartir 2 minutes à chaque groupe, parce qu'on ne sait pas être partout à la fois. Alors il y aura des exercices qu'on verra ici, qu'on ne verra pas de l'autre côté, et des exercices qu'on verra là-bas et qu'on ne verra pas ici. Mais simplement, c'est pour essayer de mettre en place une cellule pour ceux qui sont à U13. Ils parlent, je m'étais, j'écoute d'abord, puis après, je parle. On a envie de m'en prendre là. Parti, on va rester quelques minutes avec eux et puis on va essayer d'aller trouver ceux qui sont de l'autre côté. Je sais pas si ici bon, ma vie est nickel puisque moi je les vis en live. Vous à la maison, je sais pas comment vous le verrez. Alors en plus il fait noir. Bonsoir à vous. À vous qui allez tomber sur ces vidéos, sur ces clips qui sont là à disposition de tout le monde, tous ceux qui aiment le football, le vrai. Et voilà, bonsoir à vous, ou bonjour, c'est long. On y est, on reste dans notre chose, dans notre matrice.
et nous allons avancer avec. On retrouve les potes, on rigole et on continue à avancer, à évoluer avec nos formateurs. Donc, je vous disais, ils sont passés dans ce qu'ils savent faire. L'échauffement avec ballon, cet échauffement là les aide beaucoup, mais beaucoup, parce que on n'a pas l'impression de s'échauffer. En même temps, on le fait sérieusement, puisque les mouvements qu'on fait, ils sont spécialement conçus pour le football et d'autres activités qui demandent beaucoup d'endurance. Alors cet échauffement fonctionnel doit être fait vraiment avec amour, avec comme tu veux, mais très 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 bien fait, parce que sans ça, ton corps ne pourra pas supporter les efforts que tu vas lui prodiguer après. C'est difficile, mais bon, quand on l'habitue, le corps accepte. On va essayer d'aller prendre des nouvelles ici, pour voir d'abord, puis on reviendra. Et ils se sont déjà échauffés. Maintenant, ils sont carrément rentrés dans le vif du sujet. Essayer de gagner cet espace de jeu qui est le leur. Ils oublient souvent. Et toute cette partie-là fait partie de leur aire de jeu. Donc on leur apprend. Il leur apprend à essayer vraiment d'utiliser cet espace qui est le leur. Être partout. Et en même temps avec le reste. C'est ça. Je pense qu'ils vont travailler à deux avec M. Fafnir de l'autre côté. Toujours dans les placements. C'est vraiment quelque chose de bien. Parce que les enfants se perdent souvent. Les zones sont distribuées selon chacun, selon ce qu'il peut apporter, selon son intelligence à cet endroit-là, comment il peut faire avancer l'équipe. C'est pour cela que la mise en place est importante. Arriver à régler ça. Ça nous semble facile à nous autres qui sommes dehors, à critiquer, oui, c'est notre rôle, hein, ne vous en faites pas, monsieur. Mais on sait, nous savons que c'est difficile. Une mise en place pareille demande des heures et des heures et des heures de répétitions. Alors, croyez-moi, nous acceptons, nous, et nous validons les efforts que vous faites. Sauf que des fois, nos sentiments sont au-dessus. Et on essaie de commenter ce que vous avez fait avec les jeunes. Mais sur ce, bonsoir à vous et travaillez bien. On va essayer de passer de temps en temps. Vous responsabilisez tout le monde, vous essayez vraiment de régler les extra football. Merci à vous, faites-les bien, vous le faites bien. Moi je m'étais, parce que c'est l'air placement. Tu les as vus.
Et comme disait au début, ces terrains est à vous. C'est vraiment de l'occuper comme il faut. De l'autre côté, ils vont passer à la vitesse supérieure, je pense. On va repasser. Finir avec eux. Et c'est important aussi de savoir faire profiter de ses efforts à son équipe. Que ce soit pour vous qui êtes là-bas ou pour vous ici, c'est vraiment important de comprendre ça. Et le terrain est à vous. Si vous faites profiter les uns les autres des espaces, vous saurez vraiment rigoler avec le football. Voilà. T'as vu, hein? T'as vu, tu pouvais recommencer comme tu pouvais aller vers l'avant. Mais il faut trouver la solution la plus facile. Voilà. S'il a vu, il a donné. Voilà, maintenant qu'il accompagne. Le problème, c'est l'accompagnement. Lève la tête. Faut pas non plus foncer tête baissée vers le goal, puisque pour que ce soit beau, il faut que tu puisses être accompagné. Alors ces gens qui t'accompagnent, essaye des fois de freiner la balle avec eux ou prenez ta course pour leur permettre d'être avec toi. Le but, c'est ça, les maillots comptent dans votre sport. Il faut vraiment jouer entre vous. Hop, pas mal. Pas mal. On va revenir sur ceux-là. Ils sont toujours en réglage. En attendant, on reste avec eux. On essaie de finir. Et puis, on revient sur l'autre. Voilà. On va laisser passer le monsieur. Voilà. Il faut maintenant voir, essayer de sortir de cette zone pour aller dans la zone où il y a moins de monde. Voilà, ça vient de là. Voilà, il a vu, Maïdan est libre. C'est cette zone-là qu'il fallait aller. Voilà. Fatih a raison. Là, on commence à se jeter tête baissée. Oui, c'est bien, on va rester devant. Mais si on a un contre, chez nous, ça va faire mal. Allez. Vous gardez le ballon. Oui, oui. Circuler. Comment les gars, oh. Allez, ils sont là pour toi. Hein. Si vous vous retournez, vous verrez. Vous verrez vraiment que les maillots. C'est quoi? T'es au milieu. Voilà. 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 L'occupation du terrain. Chacun doit faire ce qui lui est incombe. Comme tâche. Sinon. Ah, c'est intéressant, mais bon, comme je vous disais, je dois vraiment prendre tout le monde. Merci du moment que vous m'avez offert. Maintenant, je replonge ici. J'essaie de me faire du bien. Voilà, je suis arrivé au début, j'ai pas tout vu, mais je vais essayer de comprendre. Ça reste la même, mais avec un appui. Il faut vraiment retoucher cette balle une deuxième fois. Bonsoir mon papa. Ça va et toi-même? Voilà. Une passe courte, une longue. Hop. À chaque fois. Trouver appui sur celui qui t'a remis la balle. Voilà, c'est donner confiance. Savoir que si je te l'ai donné, tu peux encore les recevoir. Il y en a beaucoup qui croient que quand je donne ma balle, je ne vais plus la revoir. Mais si, au football, tu peux revoir ta balle. Parce que quand tu la donnes, sois prêt à la recevoir. Les situations se compliquent des fois.
Alors, on a besoin de te rendre la balle que tu venais de donner. D'où l'expression être prêt à recevoir, jouer sans ballon. Tu as donné, oui, mais dispose-toi à aller recevoir encore, puisque c'est une balle qui peut être bloquée quelque part. Voilà. Ça aussi, c'est vraiment le basique même du football. C'est par là qu'on apprend à jouer vraiment en équipe. Je ne suis pas connaisseur, hein, loin de là. Mais pour moi, une équipe se base sur la réception et quand on donne. C'est tout ça. Et puis après, bon, la technique, chacun l'a ou l'a pas, mais l'utilité des joueurs est toujours importante sur un terrain. Si on sait lui donner la balle dans de bonnes conditions et qu'il a l'œil pour voir, il peut le donner vraiment bien. Donc, il faut savoir utiliser les bonnes personnes aux bons endroits ou bien donner des bonnes informations aux bonnes personnes qui sont réceptives. Pas insister dans le mur hein, quand on n'a pas compris. Mieux vaut reculer pour mieux sauter pour moi. Aller un peu derrière, voir comment on l'aurait fait, puis avancer. C'est pas honteux hein, d'aller revoir la matière. Et puis revoir la matière dans ta catégorie, c'est encore mieux. Hein, puisque vous êtes plein d'I13 ici, tout le monde essaie de perfectionner quelque chose qu'il n'a pas. Alors si tu vas dans un groupe où on travaille ce que tu n'as pas, moi je suis content, moi. À votre âge, si j'avais ça, je serais content. Je pense que mon football serait autre chose. Mais bon, je ne l'ai pas eu. Vous l'avez eu. Profitez-en. Voilà. On va revenir. On va essayer de voir un peu ce qu'ils vont nous proposer. Et on reviendra. Alors ça continue, on va aller. Hein. Mais bon, on finit d'abord ici, parce qu'on a donné du temps à tout le monde. Alors donnons-nous du temps et le plaisir avec. Voilà. Ils sont dans la recherche de deuxième carburation. On n'avait que 1h30 pour en profiter. Quand vous êtes là, essayez de respecter votre timing et vous verrez que vous allez faire beaucoup de choses. Ce monsieur prévoit beaucoup de choses pour vous. Il y a juste le temps qui vous manque. Mais bon, ce qu'ils font déjà avec vous, c'est vraiment beaucoup. Essayez. Un angle où tout le monde est dedans, comme ça on sait vraiment fixer tout le monde sur la pellicule. On reste dehors là. Comme ça.